Depuis mon enfance, je collectionne les bobines de films d'amateurs et d'anonymes. Voir la vie des autres m'a sans cesse fasciné. Ces cinéastes d'un jour filment leurs amours, leur bonheur, dans une vaine tentative d'arrêter le temps. Peut-être que ces bobines de films peuvent m'apprendre des choses sur mes ancêtres et sur moi-même. Après tout, les histoires de famille se ressemblent souvent. Je me rappelle ma panoplie de Zorro. Je me souviens des fêtes foraines de l'été et des bateaux de la rivière enchantée qui avançaient tout seuls. Si je pouvais revoir la réalité, revisionner le passé, est-ce que mes souvenirs ressembleraient à ces images? J'ai toujours voulu devenir réalisateur. Tu m'imagines dans 10 ans quand on se verra tous comme ça? Toi qui auras grossi, Rémi? André, lui, peut-être qu'il sera devenu chauve. Et ce que j'aimais le plus, c'était filmer mes copines. Combien de cinéastes ont fait des films simplement pour séduire les actrices dont ils étaient amoureux? N'est-ce pas là la plus belle des raisons de faire un film? Vous êtes en train de me bouleverser avec votre truc.